Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un easter egg sur la map oubliée de Call of Duty Cold War Zombie. Alors cet easter egg va vous permettre d'avoir une caisse gratuite qui pourrait vous donner par exemple une arme spéciale, un pistolet laser, une arme améliorée ou plein d'autres choses. Donc tout d'abord pour réaliser cet easter egg, vous aurez besoin de l'atout PhD Slider, donc la glissade explosive. Ensuite vous allez devoir vous rendre près du burger parce qu'en fait, le secret, c'est de faire danser justement le petit bonhomme burger qui est juste là en bas. Alors pour le faire danser, il va falloir récupérer une pièce. Et cette pièce, vous allez devoir la récupérer en sautant à trois endroits bien précis. Donc regardez ici, il y a un endroit avec une tache noire. Ça veut dire que vous allez devoir faire exploser votre atout PhD Slider à cet emplacement. Donc pour ce faire, vous montez là où je suis en train de monter. Et là, vous allez taper une petite glissade comme ceci, boum, pour faire sortir le lapin. Donc là, j'ai eu de la chance, je l'ai eu au premier essai. Donc là, au premier emplacement. Je vais quand même vous montrer les deux autres emplacements. Donc il y a un emplacement devant le cinéma qui est juste ici, voilà. Et il y a un autre emplacement qui se trouve juste là-bas. Donc juste ici. Donc je vais d'abord faire celui du cinéma, et puis après je ferai l'autre, parce que j'ai pas envie de tuer mon zombie. Alors, pour faire celui du cinéma, vous allez devoir monter par ici et vous allez devoir ouvrir cette porte-ci pour pouvoir accéder au toit où il y a justement rechargement rapide. Et là, vous allez devoir monter sur ces sacs de sable, reculer un peu sur la barre et là, vous allez courir et slider. Bon. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Donc là, bien entendu, ça ne fait pas sortir le lapin, mais ça fait sortir un bonus aléatoire. Hein. Ça peut être un bonus x2, munitions max, une braderie, etc., etc. Donc là, je vais faire pareil pour le petit saut ici. Boum. Et là, ça me refait sortir un munition max. Donc voilà les trois emplacements. Donc les trois emplacements que je vous ai montrés sont les emplacements où vous allez pouvoir récupérer la peluche lapin. Donc quand vous avez cette peluche, vous allez devoir vous rendre près du bonhomme du Burger Town. Appuyez sur action derrière. Voilà, c'est le personnage qui s'appelle Buggy. Et ensuite, vous mettez le lapin dans Buggy. À ce moment-là, il va commencer à crier et à danser. Il y aura une petite musique qui va s'en jouer. Et regardez, il va lancer des burgers. Donc les burgers, quand vous les ramassez, ça vous donne de la vie. Voilà, c'est un peu comme dans le mode contagion, en mode survie. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir un petit chrono, je crois, voilà, de 2 minutes. Où vous allez devoir défendre le Burger Town pendant 2 minutes. Donc je vous conseille fortement de créer l'arme spéciale. Donc si vous ne savez pas comment créer l'arme spéciale, il y aura une playlist avec tous les tutos de la map oubliée en description, en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors ensuite, quand vous avez votre arme spéciale, vous allez pouvoir défendre le Buggy. Donc Buggy, vous allez pouvoir le Buggy, ouais, je sais plus trop comment il s'appelle. Vous allez pouvoir le défendre. Parce que franchement, ça va être compliqué. Là ça va parce que les zombies sont lents. Mais vous allez voir que il va y avoir pas mal de zombies. Donc déjà, on a un soldat rouge juste ici. Ok, on l'a défoncé. L'arme spéciale niveau 2, c'est le feu hein, pour faire cette protection. En vrai, vous tournez autour du buggy et ça se fait facilement. Hein. Si vous avez l'arme spéciale, ça se fait facilement. Mais regardez, il est quand même dans le rouge, hein, buggy. Enfin, dans l'orange. Ils ont déjà réussi à manger la moitié de la... à moitié de sa vie. Regardez, j'ai eu deux soldats rouges là. Donc c'est quand même chaud. Donc là, on est encore à 20 secondes. À mon avis, ils vont tout envoyer à la fin. Ne quittez pas des yeux le buggy parce que... ah, c'est bon, 13 secondes. 10 secondes. En fait, ça va le faire. Mais même avec mon arme spéciale, buggy a pris beaucoup de dégâts. Peut-être que s'il prend le moins de dégâts possible, vous aurez une meilleure récompense. Hein. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, regardez, ma caisse n'est pas en or. Peut-être qu'on peut l'obtenir en or. Donc là, on va l'ouvrir. On va voir ce que ça va me donner. Hop. Donc là, ça m'a... qu'est-ce que ça m'a donné? Ah, ça m'a donné ah, ok, c'est ça en fait. Ça donne une musique secrète. La musique secrète de Samantha. Bon, attendez, parce que... la musique secrète de Samantha. Balade de Samantha. Ok, donc ça vous donne une musique secrète. D'accord, d'accord. Et je ne sais pas si ça donne des armes. Peut-être que ça donne des armes. Bon, comme d'habitude, mon jeu a crash. Parce qu'à chaque fois que j'utilise l'arme spéciale sur mon jeu, PlayStation 5, enfin
sur ma PlayStation 5, Call of Duty version PS4, le jeu bug. Si vous avez une solution contre ce problème, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que ça me fait péter des plombs. J'ai envie de m'arracher les cheveux. Je recommence blindé trois les vidéos à cause de ça. Mais bon, bref. De toute façon, je vous ai montré tout l'easter egg. Ça a bugué après, donc tant mieux. J'espère quand même que j'ai débloqué la musique secrète de Samantha. Mais je pense pas, comme ça a bugué, je pense que je ne l'ai pas débloqué. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakul Mec et ciao. Peace.